Mes abonnés d'amour, comment nous y est? Même moi en forme et me pas pire en forme parce que me t'ai passé un très très bon week-end. J'espère que chaque fanatique soit exact et passé un bon week-end. Nous en semaine, moi souhaite chaque monde qui a regardé là une très très bonne semaine. Mais nous pas capable pas remercier, saluer les amis nous qui toujours like, qui toujours partager, commenter vidéo nous yo, même avec toutes amis Fantamara 27 qui toujours fait ça, nous saluer tous amis Wana Metio qui toujours fait ça, n'abdo pas jamais suspendre faire ça parce que à chaque fois ou like, ou partager, ou commenter, il y a plus monde qui fait connaissance avec travail là. Ou même qui tombe sur émission ça pour la première fois. Nous remercions et nous n'avons pas quitté l'émission, ça finit sans ou pas like, sans ou pas abonner. Et lorsqu'on est abonné, activez la cloche de notification pour ne pas rater une vidéo. Je dis à envie de saluer Abel, son et les fils. Je compte pour qui ça me salue et m'a dit Abel, son et les fils, bon travail, bon bagay, parce que ou remet ce qu'on exact et ce qu'on exact remet on pi plus pour bel travail que vous fait ensemble avec nous. Et nous saluons tous les amis qui ont gardé nous là à la ronde badé, pas fâché avec ce qu'on exact parce que nous ne pouvons pas saluer tout. Nous allons passer un très bon moment. Nous sommes sortis dans un bel week-end football. Nous allons faire une revue de presse pour vous. Nous allons venir avec quelques informations sur Mercato parce que même si Mercato est fermé en Europe, mais gagner quelques clubs toujours qui sont capables de prendre un joueur parce que sous Libou capable de venir et Arabie Saoudite, là pour se voir toujours parce que c'est jeudi, tout le monde a fini. Nous allons venir avec informations sur la sélection haïtienne qui a deux matchs pour jouer dans la Ligue BA et la bonne nouvelle sur Célissa Roua. Et n'a pas l'eau de FC Barcelone, n'a pas l'eau de Real Madrid. Nous allons passer un très très bon moment ensemble. Nous allons aller avec la Fédération haïtienne de football. Là. Côté que, et yo sorti liste pour deux matchs de compétition que nous gagnons pour nous jouer dans la Ligue B. Là. Malheureusement, nous relégués dans la Ligue B. Nous pas dans la Ligue A parce que nous pas fait bon résultat du tout. Nous gagnons deux matchs, nous gagnons pour nous jouer face à Porto Rico. Et nous gagnons pour jouer face à Saint-Martin. Depuis hier, nous avons un camp de base nous à Porto Rico. Il y a plusieurs joueurs qui sont arrivés. Et il y a Franzi Piero qui est en route. Dukens Nazon est dans l'Islande également. Côté que il joue le premier match dans la saison avec le club. Et il fait 0-0. Ensemble avec. Il fait 0-0. Malheureusement, il n'a pas gagné. C'est KSC Sport. C'est là que il a pas évolué dans la première division turque. Et Nazon pas marqué, mais l'équipe l'a pas perdu. Nous gagnons trois objectifs dans la vie atteinte pour deux matchs que nous gagnons pour nous jouer. Trois objectifs là, c'est pour nous retourner dans la Ligue A, pour nous qualifier pour World Cup et pour nous améliorer le classement nous dans le classement FIFA. De ce fait, nous obligés de battre deux matchs à yo, côté n'a joué 6 septembre et 9 septembre, c'est deux dates à yo qui retenu. Dans trêve internationale, ça, n'a participé largement. Nous espérons que nous capables de faire deux belles victoires, c'est ça, nous espérons. Sébastien Minier sorti en liste, joueur là, qui est disponible pour le capable de compter sur yo. Gardien de but, c'est Carisson Innocent, Johnny Placide et Jonah Corvin Ménard, ces trois gardiens ça qui retenu. En défense, c'est Calens Orcus, Martin Experience, Duc Lacroix. Nous gagnons Ricardo Adé, Jean-Kevin Duvernay, Corvin Metusala et nous gagnons Stéphane Lambez et Dulis François, ces défenseurs ça qui disponibles pour nous capables d'utiliser. Milieu de terrain, c'est Calfred Sinté, dans les Jean-Jacques. Nous gagnons Jean-Bernard. Jean-Belmore Joseph, Lévi-Anton Pierre, Didson Lissuis, Fabrice Picot, Christopher Attis et puis Dani Jean. En attaque, nous sommes capables de compter sur Dukens Nazon, Franzi Piero, Mondi Pouinier, Michael Cantave, Brian Labissière. C'est Lisa que Sébastien Minier mettait dehors pour capable à le représenter. Couleur nous et le 6 et 9 septembre, nous avons joué face à Porto Rico et après nous avons joué face à Saint-Martin et les joueurs sont au nombre de 24. Tout le monde ok, pas de monde qui est blessé. Depuis hier, nous commençons le travail et nous-mêmes nous souhaitons tout Grenadier nous succès. Nous derrière en bloc, ce qu'on exact là et après nous avons dit comment nous comporter nous parce que l'objectif là c'est retourner dans la Ligue A.
qualifié pour Gold Cup et améliorer classement nous dans classement FIFA. Nous pour aller à l'étranger, côté j'aime te dire, gagné et mercato qui fini. Mais jodi en le 2 septembre, c'est jodi que mercato a fini en Arabie Saoudite. Même si mercato a fini, si on joue libre, il est capable toujours aller dans un club s'il sentit que club ça fait bien ou si club l'a besoin. Parce que l'on libre, ou pas besoin qu'on date mercato, ou pas qu'on date échéance. Mais je dis, il y a plusieurs petits mouvements qui fait. Nous gagnons William. William, c'est un ancien joueur Chelsea qui était joué déjà avec Célissa Oua et dans Coupe du Monde, 2018 que il était joué. William, il est allé et à Olympiakos, li officiel, monsieur, c'est un nouveau joueur, et c'est gratuitement que l'aller, ça veut dire que il était libre. Il était font passage dans Fulham également, mais tout le monde se connaît, Bel William ça, l'elle t'a joué dans Chelsea. Gagné également Angelo Gabriel, qui quittait, et Chelsea, qui rejoint Al Nassr, et examen médical yo effectué, document yo échangé, et monsieur li kite Chelsea pour 23 millions de dollars plus on clause de revente et Jean que Chelsea souhaitait ça Chelsea qui présent jusqu'à présent dans mercato parce que li vend et li acheter également. Chris Malin li signé un contrat là en Arabie Saoudite, il c'est nouveau joueur Al Fayyaf FC, contrat c'est 2 ans après que li kite AS Roma, c'est libre que li vini. Victor Osimhen a accepté de rejoindre Galatasaray. Malheureusement, Osimhen n'a pas de nom offre valable pour n'apte quitter l'aller. Paris Saint-Germain était besoin, mais clause libératoire là, Paris était jugé trop, c'est 130 millions que lié. Malgré Chelsea, il a fait baisser dans le cobla, mais pas de jambes gain pour deux. Chelsea et Naples exclut dans l'Islien, il n'y a pas la donne, il n'y a pas compté sous lui. Et monsieur était obligé de chercher un club là pour l'aller, c'est Galatasaray que y aller. Mais pendant l'aller, il m'a demandé pour n'a baisser clause libératoire là pour sortir de 130 pour tomber à 78 millions parce que il a envie retourner dans haut niveau, c'est ça que il dit malheureusement pour joueur, il est obligé aller à Galatasaray et en janvier, il souhaitait arranger situation avec l'autre club qui envie rapprocher. Paris Saint-Germain, c'est 3 sur 3 que les répond. 3 matchs, il a marqué 13 goals, mais il y a un joueur là qui a attisé curiosité tout le monde. Il était toujours dans l'équipe là, mais malheureusement, Mbappé était contre Baril la route. Et dans le match Dortmund, côté que Paris Saint-Germain éliminé, monsieur, l'Elté Montial a fait différence. Et dans la Coupe d'Europe là, que a éliminé, la France a éliminé, monsieur était monté dans la deuxième période, là, il t'a fait différence. Il parle autre que Bradley Barcola. Barcola qui n'a bonne forme et Lina Clairefontaine, ensemble avec la sélection française, a pu préparer match Ligue des Nations. Monsieur a bien joué, bien comporté avec Paris Saint-Germain. Côté que c'est 3 matchs, 4 goals. Bravo à Barcola qui gagne en confiance totale dans le club là et Louis Enrique compté sous lui. Et monsieur, comment c'est fait en pile mon remen, côté li commencé bien monté en France, bravo à Barcola et nous espérons dans la Ligue des Nations la va porter flambeau la France bien haut. Week-end en Espagne, c'était un bel week-end, un week-end surchargé et nous allons faire le point sur week-end ça. Puis gros bagage qui t'est passé dans la Liga dans 4e journée, c'est gros victoire, grande victoire que Barcelone fait, c'est 7-0 que le bat Real Valladolid et gagné Rafinha pour la première fois en carrière qui marquait un triplé et Barcelone c'est solide leader, li devant et il devant net et Real Madrid gagne 4 points de retard sous et après FC Barcelone. Deuxième bagarre qui passait dans la Liga, c'est Kylian Mbappé qui débloqué contre lui. Kylian Mbappé pas marqué un seul goal, il marqué mais mon doublé et doublé ça permet Real Madrid après 2 matchs en victoire lors de 3 premières journées et c'est ça que Real Madrid t'a fait et comme ça t'a gagné et 4e match ça Mbappé buteur, Mbappé finit l'homme du match et Real Madrid fait victoire. C'est ça que lié, c'est bonne nouvelle pour Real Madrid et Kylian Mbappé. Bien Atlético Madrid qui gagne une équipe qui compacte. Belle équipe.
Atlético Madrid beaucoup perdu, il fait un match nul mais il beaucoup perdu et Atlético Madrid c'est comme si on braquage que le fait à San Mamés dans temps additionnel. Angel Correa, c'est lui-même qui rachète victoire Kai Bilbao 1-0 et permet que Atlético Madrid est troisième dans la Liga, il y a même point avec Real Madrid, mais Real Madrid a une bonne différence de but. C'est ça qui fait Real Madrid deuxième au lieu de Atlético. Et Atlético a fait un très très bel mercato. Il a conseillé de bons joueurs l'acheter. Là, nous prenons le Normand, là, nous prenons Gallagher, là, nous prenons Julian Alvarez. Tout monsieur Sayo, yo, nan Atlético Madrid. Et moi-même, et Derby Madrid, nan ka fait nan moi ça là. Pas qu'attendre pour arriver parce que nan bal gagné un bel journée boule les matchs à venir. Gagné à l'inverse qui font très belle victoire sous Las Palmas 2-0 et Espagnol de Barcelone li fait première victoire nan Liga li bat Rayo 2-1. Valence li même saison toujours compliqué pour Valence malheureusement c'est match nul que le fait et gagné FC Séville qui perdu 2-0 c'est Girona qui bat li et nous gagné pour nous retourner dans Liga dans moins de 15 jours et n'a pas ensemble. Avant d'avancer, je dis, c'est anniversaire un gros fanatique Sport Exact. C'est Steve Rival, qui a gardé Delma 33. N'a souhaité Steve Rival un très bon anniversaire. Sport Exact remet et nous remet le travail que vous avez fait pour nous. Et je dis, si c'est anniversaire, même j'ai avec Steve, Sport Exact dit un très bon anniversaire et bon mois de septembre. Dans le match Real Madrid hier, là, il y a un peu de bagaille qui passe. En pile bagay qui passait. Chaque monde parlait de geste Vinicius là, façon pa yo. Gen moun ki remel, gen moun ki pa remel. C'est ça qui est la liberté d'expression. Chaque monde nan droit yo pour dire et fait ça yo vle. Mais après match ça, gen Vinicius qui fait un post sur les réseaux sociaux yo. Côté que li poste Kylian Mbappé. Et qui photo que le poste, c'est photo, les tout le monde net content pour Kylian Mbappé et lui mettait en emoji 7 sur 9. Ça veut dire que lui c'est numéro 7, Kylian Mbappé c'est numéro 9, pour montrer que de M. Sayo, tout bagay a bien marché, c'est ça que pour cela, lui veut dire. Kylian Mbappé, la presse espagnole, commençait à pousser machine trop fort. Espérer que Kylian Mbappé pas tombé dans la même saleté en France, parce que il y a plusieurs journalistes qui t'avaient comparé Kylian Mbappé avec Cristiano Ronaldo et au même dit que Mbappé c'est successeur Cristiano Ronaldo. Heureusement, Kylian Mbappé dit lui-même, il pas les pression ça sous dol, il respecte Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo c'est idole, mais nous pourquoi là? Là encore, moi d'accord avec Kylian Mbappé. Lors parler de Cristiano Ronaldo d'un package, ou dit un joueur par saison, au moins l'a fait 35 goals. Au moins. Ou dit un joueur qui prend 4 Ligue des Champions avec Real Madrid, il prend 4 ballons d'or et il prend plusieurs sur le dos européen. Ou pas capable à patriotique pour comparer un joueur qui peut comprendre un yen en Europe pour mettre l'entrée de Cristiano Ronaldo. Et championnat, ça a tellement de gros attaquants qui passent là-dedans. Bel neuf, bel ailier. Mbappé capable de popularité, mais pour moi, pour un jeu là, je vais apprendre à comparer avec Cristiano, avec Mbappé. Parce que moi, je m'habitue, ouais, dans la Liga, ça, on joue à 14 doublés affilés. Moi, habitué avec un challenge qui fait n'importe 10 ans à mener, si ça n'a pas meilleur buteur, ça a meilleur buteur. Le Cristiano Ronaldo avec Messi le on a 20 journées, on a 25-30 goals. C'est comme ça lié. On nous quitte Kylian Mbappé grandi. Parce que oui, il fait 2 goals hier. Donc on a, c'est pas 2 goals, et pas 2 goals hier pour nous célébrer. On a un autant de régularité. Parce que si prochaine rencontre, il pas marqué, après il pas marqué, après il pas marqué, n'a pas même samedi. Mbappé est un son joueur qui hautain. Parce qu'un peu plus tard, ils font l'autre déclaration, ils disent nous jeunes et nous célèbres. Là encore, pas de besoin d'arriver là, Kiki. Pas de arriver là, parce que la presse est poussée la pousse au bout. Après ça, même si on dit,
les bagages pas normal yo poste le pour m'pa quoi Vinicius on fois les jambes d'il célèbre ou a besoin vinn prendre tête malaria vinn a augmenter li célèbre célèbre pour contre parce que ça yo c'est parole joueur qui autant qu'a mettre tête li en côté parce que m'pa jambes tande on fois Bill Gates dit m'ni gen l'argent m'pa jambes tande on fois Messi même Cristiano Ronaldo m'pa quoi j'en dis célèbre malgré son ouais Cristiano a fois dit nou jeune nou célèbre là Mbappé a gagné 26 ans, je crois. Zéro Ligue des Champions, zéro Ballon d'Or. Travaille sous ça, plutôt. Parce que deux grands goals ou fait, et Mbappé fait hier là, il pas qu'à gagner en fin de senti que son paquet à faire dans la Liga. M'apprécie deux grands goals li fait, mais, l'on parle trop, des fois, l'on pas jeune en rien sérieux ou capable de dire bagay qui pas bon. Mbappé pas quitter la presse espagnole pour son côté ou payer. Chita travaille après TV International là. Real Madrid a besoin pour marquer plus goal. Le ça, il y a va dire à qui est, il y a va comparer, mais là, on nous rete comme ça. Histoire pénalité à tout, jusqu'à présent, il y a des gens qui pas comprendre ni. Et il y a un article qui sorti qui dit que, et l'entraîneur dit que nous prenons tous les deux les pénalités. Je ne veux pas forcer les choses, ce n'est pas ma mentalité, ça c'est parole de Kylian Mbappé. Bon. Tout le monde connaît que c'est Vinicius qui tire au numéro 1. Et si Jean Mbappé comprend une cause, c'est comme ça que tu dis, en connaissant le type, il t'a pas été prendre ballon parce qu'il dit, bon, t'as dit, je suis déjà, on est assez coupable. T'as fait me dire Mbappé, on nous met ton petit de l'eau dans du vin, nous, parce que là, bagaille pas trop facile en Espagne, j'en comprends ni. Pendant que tout le monde a voyé Mbappé en l'air, bon, joueur dans bêtise lui-même, il a posé la question, il a demandé, est-ce que Mbappé inarrêtable, monsieur dit, c'est nous qui espace qui fait, je dis, nous qui parler de Golkin Mbappé, parce que s'il était inarrêtable depuis la première journée, il a manqué. Ça fait un pile monde pas qu'à trop comprendre ça, le dit, mais monsieur était là. Monsieur, comme ça, l'a dit, hein, il est Pablo formal, il s'est joué bêtise lié. D'accord avec lui, s'il était inarrêtable depuis la première, parce que adversaire, trois premiers adversaires Real Madrid, yo pas tellement dans haut niveau. S'il était inarrêtable vrai, monsieur tap gen tan marqué, ça c'est pas on dit, mais nous souhaiter que Mbappé rete dans continuité, la marqué ti gol li et pour toute bagaille OK. Gagné de très mauvaises nouvelles pour Real Madrid. Gagné plusieurs joueurs qui blessés. Ben nous prend Fellamendi li blessé, mais c'est pas trop grave, c'est dans cheville li blessé. Mais Fellamendi capable de jouer après cette international là, mais il rentre en Espagne parce que c'est dans Clairefontaine, dans la base la France, il a détecté blessure là. Même cas pour Tchouaméni qui est obligé de quitter camp. Tchouaméni lui-même son surcharge que le gagne. Tchouaméni a apte lui-même pour jouer. C'est Ceballos lui-même nouvelle pas trop bon. Ceballos lui blessé et Ceballos lui-même c'est 2 mois et que l'a fait dehors malheureusement pour Ceballos qui t'est commencé bien comporté d'ailleurs hier monsieur était bien joué et hier nous t'est venu avec ça pour vous. Et hier il était joué 65 minutes monsieur gagne 28 ans et rejoint Bellingham il rejoint Alaba il rejoint et Jesus Vallejo Camavinga et Juan Martinez ces joueurs ça qui blessé pour Real Madrid et nous gagnons Ceballos qui a passé 2 mois dehors malheureusement pour Real Madrid côté que blessure a commencé venir tical patical mais nous espérer toute bagaille OK. Gagnons FC Barcelone bon côté pal qui fait une large victoire. Une victoire qui mettait et Rafinha en lénette et gagnons Lewandowski dans une interview que le bail après Lewandowski parlait de forme ni de comment ça y est dans et FC Barcelone. Lewandowski dit m'envie marquer plus goal et bah là pour saison 1 mettez la 30 et m'a souhaité marquer 35. Il dit que mais ça dépend de équipe là parce que c'est presque ce côté équipe là premier mais saison ça m'envie travail pour équipe là. C'est ça qu'elle dit. Elle dit que m'envie gagne moi veux changer mentalité me saison ça parce que moi veux récupérer force que m'étais perdu saison dernière. Normal parce que t'es arrivé les avis, t'as bâillé monsieur Ban.
ou bien depuis le besoin font changement, c'est lui même ça yo tout psychologiquement joueur a vinn gen ti problème et Lewandowski dit que avec Hansi Flick yo entraîné mieux, yo t'ai fait un bon une bonne pré-saison et louait que ça fonctionnait et Flick besoin en équipe offensive et année là nous paraît pour nous faire que Hansi Flick content, c'est comme ça que monsieur t'ai parlé dans interview. Bonne nouvelle pour FC Barcelone, il y a Ansu Fati qui reprend entraînement et après trêve international là, c'est sûr que nous va voir Ansu Fati. Terstegen bral vivre un grand moment dans la ville. Et désormais c'est lui-même qui gardien titulaire dans Mannschaft là et gagné Nagelsmann qui dit ça ouvertement, il dit que monsieur c'est capitaine FC Barcelone. Et après retraite internationale que Manu Neuer prend, c'est lui-même qui gardien numéro 1. Il voulait que tout le monde compte ça. Malheureusement, Ter Stegen pour qu'on chambre jouer pièce de compétition avec et sélection allemande pour le titulaire. Fois ça, il a bien chance parce que Manuel Neuer il prend et congé, il quitte ça. Et c'est Marc-André Ter Stegen qui titulaire poste là. Nous espérons que lui va faire un très bon match dans trêve international là pour moun pa vin di que yo gen tan sonje Manu Neuer ça qu'arrivé mais quand même parce que Ter Stegen il c'est un très très bon gardien. Hier vendredi Brésil pral nan bataille. Match Brésil là gen en pile signification parce que Brésil vle remonter dans classement dans zone am sud là. De ce fait, Brésil gagne deux matchs pour jouer. L'a joué premier match là la Kaili parce que actuellement là c'est Curitiba que la pour recevoir joueur yo. Vendredi 6 septembre c'est la joué face à Équateur. Après ça, il va aller à Asunción, Paraguay, c'est là il va jouer deuxième match. Gagné Dorival qui dit que l'espérer que tout peuple brésilien derrière équipe là et malgré Brésil pas fait de très bons résultats, peuple là les répond à l'appel parce que hier 2 heures de temps seulement ticket était en vente en ligne et 26 000 billets dehors tout est en vente. Si au Brésil ou besoin un ticket là, peut-être qu'on doit acheter le monde qui t'achète déjà qu'à pour vendre, mais sur site et CBF là ou pas besoin de ticket parce que tout ticket est en prend et stade là a jaune et bleu pour capable supporter et c'est les Saoua qui besoin tout. Bon. Et m'a cité pour vous, il dit que j'espère que les supporters seront présents en masse, qu'ils soutiendront et retrouveront le plaisir de suivre la Célestia. Nous faisons tout pour raviver cet engouement et j'espère que cette série de matchs nous permettra de le faire. C'est ça que le dit et c'est ça toute fanatique et Brésil et souhaiter tout. Et il parlait de Équateur, il dit que Équateur est une grande équipe en pleine progression. Je m'attends à un bon match difficile, mais j'espère une excellente performance de la Célestia et bien sûr obtenir le meilleur résultat. C'est ça que Dorival dit dans micro la presse et toute fanatique Brésil, surtout en Haïti, attend Dorival au tournant parce que Brésil pas bien classé du tout. Argentine est le leader, Argentine yo gen enjeu tout, mais Brésil lui-même, il besoin 6 points ça pour être capable avancer dans le classement et adversaire et Argentine yo de plus haut niveau parce que Argentine va jouer à Chili, Colombie. Pourtant Brésil il va jouer avec Équateur et Paraguay. Rendez-vous c'est vendredi soir et jeudi n'a vienne avec toute dernière nouvelle sur Célestia Roa et n'a vienne avec nouvelle sur Argentine pour. Nous avons une trêve internationale, on a ces sélections qui gagnent, mais espoir pas camper sur ce qu'on est exact, on est toujours là pour nous informer, pour nous dire comment jouer, comment tout bagaille et pour nous voir nouvelles exactes. On est content de partager belle information ça ensemble avec vous. Tout le monde qui est à l'étranger qui quitte publicité au passé, soit exact, remercie vous et dit l'iremont en pile, sur tout le monde, les États-Unis. Non pas M. Mirland, bye bye tout le monde, bonne semaine. Nous tout net, nous c'est ce qu'on est exact.